Il volte. Le départ est validé donc pour cette nouvelle épreuve. Il s'agit du prix MTM avec Blackbird qui s'est tout de suite emparé du commandement, qui a pris une de longueur d'avance avec en seconde position Turbo avec Pichy qui est troisième juste devant Ernest avec également la casaque portée par le numéro de Chocolat Boy qui est à l'arrière-garde. Et c'est Go & Boy qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents vont maintenant aborder le tournant et pas de changement notable en tête actuellement avec... C'est parti ou pas? Parce qu'on dit rien, donc c'est parti ou pas? Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant et pas le changement notable en tête avec Blackbird qui a toujours les choses bien en main dans le tournant alors qu'on vient également avec en seconde position Turbo qui va tenter de lui mettre la pression, on est à distance avec Ernest et on va tenter de regagner des rangs avec Pichy en quatrième position. Les concurrents abordent maintenant la phase finale de l'épreuve, ils veulent leur rester 350 mètres à parcourir avec Turbo qui attaque à l'extérieur Blackbird, les autres sont à distance, notamment Ernest qui va tenter de refaire du terrain. Concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final avec Blackbird, Totecor, Kazakh de l'écurie Quickstar qui semble avoir les choses bien en main même si Turbo revient à l'attaquer à l'extérieur. Lutte à deux maintenant pour la victoire entre Turbo à l'extérieur et puis Totecor maintenant la Kazakh de Blackbird, mais c'est Turbo qui va s'imposer plaisamment dans cette épreuve. Blackbird sera second. On est troisième à distance avec Ernest et on est quatrième avec le numéro 2. Il s'agit eh bien de Chocolat Boy.